Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mind Test for Fun, les amis. Et oui, une fois de plus. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé du côté de l'usine à bois, comme vous pouvez le voir. Donc, on va aller jeter un petit œil pour commencer. Tac. Oui, pourquoi je n'ai pas commencé l'enregistrement là-bas là directement, j'en sais rien. Donc, j'ai refait un peu l'entrée, histoire que ça claque un peu plus, parce que là, c'est vrai que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait toute la partie mettre des fenêtres, des trucs jolis comme ça. Et puis je suis arrivé là-devant et ça correspondait absolument plus du tout. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de chouette. Hein, vous voyez, j'ai mis une petite porte bien, bien cool avec des petites décos autour qui font bien l'affaire. De ce côté-là derrière, il n'y a pas grand-chose par contre. Mais là où ça devient super chouette, c'est la face avant. Côté, on va dire côté mer comme ça, où ça prend vraiment des petits airs de ferme. Moi, je trouve ça vraiment très sympa et plutôt joli. Et je vais pas me la péter, hein, mais je suis content de ce que j'ai fait. Et puis du coup, maintenant, on a une usine à bois qui tourne. C'est vachement cool. Mais on n'a absolument pas le biome qui va avec. Donc ça, il faudra régler, hein, c'est clair et net. On va pimper un peu la zone histoire d'avoir quelque chose de plus joli qui corresponde mieux à finalement à cette ferme à bois. Donc je pense que bah ça va être vite fait. On va déverser quelques seaux d'eau histoire de transformer la zone en la verdir un peu et on va certainement planter toute une forêt ici pour faire quelque chose de chouette et qui passe bien. Oui, je vous rappelle qu'il y a aussi toute la zone de ma falaise qu'on va devoir renaturer. Ça, je vais m'en occuper prochainement avec Uraza qui m'a proposé son aide. Merci à toi. Je sais pas encore quand ce sera, mais ce sera prochainement. Parce que si on regarde, voilà, en fait, on est juste derrière, hein, et au fond là-bas, nous avons l'usine à l'usine l'ancienne en fait derrière le bateau. On la voit pas depuis là, c'est normal, j'ai pas chargé les chunks. Par contre, truc super cool, c'est que j'ai découvert que ma carte graphique, à cause des pilotes Nvidia, merci Nvidia, n'était pas du tout utilisée à son plein potentiel. Donc là, j'ai gagné à peu près 20% de puissance graphique, ce qui est quand même pas négligeable, hein. Donc ça veut dire que normalement, je devrais pouvoir regarder un peu plus loin. Avec un peu moins de chute de FPS, même si j'étais clairement pas dans les personnes à plaindre pour ça, et ça me permettra aussi certainement de faire des vues très impressionnantes où on pourra regarder à des centaines de blocs de distance. Bah voyez là on peut déjà voir super loin et c'est pas fluide hein, clairement quand on tourne la vue, mais enfin ça reste correct. Ok? Alors voilà. Mais pour l'instant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu On va faire un petit peu de route en fait, puisque ici j'aimerais bien pouvoir relier à la ferme à bois là le petit chemin qui vient depuis le spawn. Si tu peux me laisser passer, de toute façon je dois t'enlever. Voilà. On va relier le petit chemin là qui mène au spawn tout simplement pour avoir un trajet rapide et simple pour retrouver la ferme à bois. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais poser mes petits blocs. Hein, j'ai pris ce qu'il fallait avant. Hein. Ça fait même 3 jours que je les ai ceux-là en fait. Voilà. Donc cette route-là, elle est très cobble sur toute cette partie-là en tout cas. Je pense qu'on va maintenir ça jusqu'ici. Et là, on va se donner un pont qui va descendre jusqu'un peu dans. Il va passer par-dessus la petite rivière là, et il va descendre jusqu'à l'autre côté. Mais donc ce sera un pont qui sera pas tout droit, mais qui ira en penchant. J'ai l'impression qu'on doit trouver ça dans. On doit peut-être trouver ça dans Blanche-Neige et Sept Nains, c'est possible. Je suis plus sûr de ce que je dis, mais enfin, peut-être. Si c'est pas le cas, ça reste le même genre de truc. L'idée, c'est d'avoir une forêt un peu féerique comme ça, et qui soit tout près du spawn. Hein. Donc, si quelqu'un veut venir visiter après, c'est facile à trouver. Pourquoi je tremble comme ça? C'est toi, le petit cochon, qui m'embête. Meurs, cochon! Bah oui, oh, il est pas content le petit bestiau. Pourquoi il est pas content? Ok. Bon, vous savez quoi? J'ai tué, maintenant je vais le manger. Oui, moi je suis comme ça. Ah oh! Il est bien empoisonné, machin!
Ok, bon, bah c'était la bêtise du jour. On va attendre que ça revienne un peu à la normale. Merci beaucoup. Ouais, je savais pas qu'ils étaient empoisonnés, les cochons crus. Je savais qu'il y avait pour les... Je savais qu'il y avait pour les poulets. Mais je savais pas pour la viande de porc. Comme quoi, il ne faut pas manger du cochon. C'est pas bien. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire comme ceci. Ah non, on va... Vous savez quoi? On va mettre juste une dalle. On va mettre une dalle. Voilà. Ça fera plus sympa. Est-ce que je mets une dalle aussi là? Le problème c'est que là-bas c'est des escaliers, hein. C'est pas des dalles. Non mais vous savez quoi? Je vais juste mettre... Non, celle-là elle me choque pas. Donc on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et puis ce que j'ai pris pour faire le tablier du pont, ce sera du bois rouge, médium, comme ça. Ça nous changera un peu de ce qu'on fait d'habitude en fait. Par contre, les piliers, eux, on va les faire avec autre chose. On va les faire en tronc. Ouais, tout simplement. Je me dis que ça peut faire un super mélange. Tac. On va juste regarder ce que ça peut donner, voyez. Avec ça qui dépasse. Tac. Et puis après, on mettrait des... Oula. Je vais juste avancer un petit peu. Le début de mon pont. Voilà. Et puis là, on va entre deux. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre des fences rouges. Yes, pour rappeler le rouge du pont. Faudrait juste que je puisse les relier à ça, en fait. Hein, est-ce que ça passe comme ça? Ça fait presque un peu. Ça fait presque un peu trop. Presque un peu trop. Enfin bon, je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose. Et puis ensuite, eh ben, je vous fais un petit timelapse. À tout de suite, les amis. Et ok, bon, les amis, on se retrouve après ce timelapse. Comme vous voyez, les choses ont bien changé puisque mon ordinateur m'a trollé. Le programme qui s'occupe de gester le, de gérer le son sur mon ordi, qui s'appelle Pulse Audio, hein, puisque je suis du Linux, m'a dit fuck it, je coupe le micro. Et il a coupé le micro. Et du coup, je me suis retrouvé avec avec presque 30 minutes de rush totalement bah, sans micro en fait. Donc comme je vais pas vous passer une vidéo où je fais que avancer sans rien dire, eh bien je vous montre le résultat directement. Donc j'ai fait une petite forêt qui cache en fait ce qui permet de masquer un peu la différence de style entre les portories à la japonaise que t'es pas prévu d'ailleurs en passant. Hein. Et puis ben la Syrie qui a un côté beaucoup plus européen. Voilà, et en fait il y a juste encore ce petit appentis qui a poussé qui servira à terme à avoir des coffres qui seront alignés par là. Et dessous il y aura tout un système de machinerie qui permettra de casser, enfin de faire un maximum de blocs dérivés possibles du bois. Je vais regarder dans un monde parfait, je vais absolument tout faire. Tous les blocs possibles à base de bois. Disponibles seront faits et automatiquement hein. Vu la productivité qu'on a ce sera pas un souci idem pour les feuilles hein, puisque bah, je produis des milliers de feuilles à l'heure donc il n'y a aucun souci de les envoyer dans un tel système pour ben, pour faire du oil extract par exemple mais pas seulement ça va bien donner quoi voilà et puis maintenant je vais continuer un petit peu
J'ai encore deux, trois petites choses à faire. Mais cette fois-ci, ce sera du côté de la falaise là-bas en haut. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc on a fait cette petite falaise avec Urasa, c'était très 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 sympa. Parce que ça nous a permis de faire quelque chose de finalement assez gros, assez long, mais assez vite aussi. Donc c'est cool, c'est bon à prendre. Et on va regarder un peu le résultat de jour. C'est pas tout à fait fini, hein. Comme vous voyez, il y a des petits trucs là encore, ici ou là. Enfin, là, il faudra que j'aie clairement encore un peu masqué toute cette... toutes ces bouts de terre, en fait, l'idée ce serait d'avoir juste qu'on voit finalement quasiment que la caillasse avec les plantes qui dépassent un peu de partout. Mais je trouve que ça donne pas si mal que ça. En tout cas, c'est ça donne un côté plus vivant à la falaise quand même, hein. Alors là, on voit rien parce que on est dans l'ombre, hein, à cause des trucs au-dessus. J'aimerais bien trouver, j'aimerais bien avoir un moyen d'avoir un super projecteur, un truc pour éclairer par là. Dans l'idéal, il faudrait que le soleil puisse éclairer en fonction de la direction d'où il vient, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, en fait, la lumière vient toujours de droit en haut, même si le soleil est couché. Ce qui est vachement dommage, mais ma foi, ça c'est le moteur de main test qui le veut. Peut-être que ça changera dans une prochaine version, j'aimerais bien, en tout cas, avec déjà le nouveau rendu de couleur, ça change beaucoup de choses visuellement, ça fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que, cette histoire-là, c'est un truc qui manque. Alors, pour finir cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tac, tac, tac. Prendre un petit peu de cobble. Là, par contre, c'est très la galère, hein. L'usine produit tout ce qu'elle peut, mais c'est pas assez par rapport à ce qui est consommé. Je vais juste voir parce que ça fait pshhh, puis je vais être sûr que ça marche toujours en fait, parce que ça me donnerait presque l'impression qu'elle tourne plus. Oh, ça a l'air vachement éteint. Ouais.
Que se passe-t-il? Cette usine à pierre ne marche pas toujours comme elle devrait. Hein. Ah tiens, bonjour le bug. Normalement, ça ne peut jamais se former là, mais ça s'est formé. Logique, n'est-ce pas? Voilà. C'est mieux. Comme ça, on reproduit de la pierre. Là là. Je pense que c'est quand on décharge les chunks hein, que ça fait ça, à mon avis. Bon, enfin bref, on a de la pierre. On a du maïs. On va replanter vite fait du maïs. Tac. Histoire que ça soit fait. Parce que c'est vrai que maintenant je mange beaucoup de fruits, de pommes et de machin de ce genre. Mais le maïs, un avantage, c'est qu'avec un stack, on peut aller beaucoup plus loin et faire beaucoup plus de choses. Alors, tac, youhou! Allez, c'est reparti sur mon petit bateau bleu. Je crois que ça s'appelle un waterboat, celui-là. Et bien sûr, la nuit tombe. Ah ouais, mais là, si vous voyez, la falaise, ça quand même sacrément plus de style qu'avant. Hein. Encore merci à Urza. Si tu me vois, si tu m'écoutes, merci à toi. Voilà, tu pourras dire, j'ai participé dans l'épisode. Alors si jamais, je l'ai déjà dit une fois ou deux à des gens comme ça qui me posaient la question. Moi, c'est très volontiers que je vous fais participer dans un épisode. Mais il faut plusieurs conditions quand même. Je vais pas prendre n'importe qui, déjà. Je vais en tout cas pas prendre le mec qui vient de débarquer depuis 3 minutes, parce que c'est arrivé, hein, que des gens arrivent et me disent Cyber Pangolin, je suis ton plus grand fan, fais un épisode avec moi! Puis je dis, bah ouais, un jour. Non, mais maintenant tout de suite! Puis jamais, déjà j'ai pas envie de tourner, ensuite c'est pas le moment, ensuite j'ai d'autres choses à faire. Mais vas-y, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ça marche pas, les gars. Désolé. Désolé. Je peux pas, tout simplement parce que, bah, je ne suis pas une machine, je fais quand j'ai envie de faire un épisode. Et ensuite, j'ai besoin de faire quelque chose avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Parce que je veux être sûr que ce qui va se passer, ça sera pas du n'importe quoi. Donc, c'est pas de la méchanceté, hein. C'est juste du bon sens, en fait. Donc, voilà, si... Mais si vous avez vraiment envie de participer à un épisode, bah, vous venez sur MFF, vous participez, vous jouez, vous construisez des trucs, vous montrez, vous... voilà, on fait plein de choses de ce genre-là. Et puis, un beau jour, ben, moi... Je vous dis, hey, ça te dirait de venir faire ça? Et puis, ben, si ça vous dit, bah ben, vous venez, et puis voilà, puis c'est cool, puis on est tous contents. Tac, alors, on va se fabriquer un peu de terre, parce que du coup, ben, tout ce que j'ai fait, en fait, je vous l'avais montré, mais je l'ai pas fait en vidéo, ce qui m'embête un peu, parce que, ben, je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon chemin, quand même, là. Là en bas, et surtout qu'il reste un petit peu de temps d'épisode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la dirt. Là, vous avez vu que j'ai pu la crafter à partir de gravier, hein, si jamais c'est 4 graviers mis ensemble. Et on l'associe à du gravier. Voilà. Et puis là, maintenant, on récupère un truc qui s'appelle la dark dirt. Alors, dark dirt, c'est de la... Moi, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins de la terre qui viendrait de la forêt. Cette terre-là qui est très sombre, qui est pas... Ou du compost. de la terre très sombre, il n'y a jamais d'herbe qui pousse dessus. Bah c'est celle qu'on a mise aussi dans le... Il y a déjà assez longtemps dans la partie écurie de la maison romaine. Maison romaine que je dois absolument avancer d'ailleurs. Enfin, j'ai fait avancer les choses, mais je vous ai jamais montré en vidéo au final. Pour l'instant, elle est un petit peu au second plan. Après, bon, bah, il y a son écrin qui est en train de venir autour. Mais c'est vrai que bah, je fais les choses comme j'ai envie de les faire, quand j'ai envie de les faire. Donc, voilà. Donc là, en fait, ce que je fais ensuite, c'est que je vais alterner un peu du gravier et de la dark dirt. Et puis, ce qui va se passer par rapport à... Par exemple, si vous regardez ici, il y a des escaliers en cobble. Alors, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça horrible. Moi, j'aime bien. En fait, l'idée, c'est que ben, le terrain s'est un peu effondré à cet endroit-là. D'où le fait qu'on retrouve dessous de la caillasse. Ouais, on voit pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'éclairage, bien sûr. Mais... Voilà, dans l'idée, on retrouve la caillasse derrière. Bah là, on le voit assez bien. Donc, genre, c'est le terrain qui s'est un petit peu effondré. Alors, on peut pas faire d'escalier en gravier, malheureusement. Mais le terrain s'est un petit peu effondré. Du coup, on a mis une bordure en bois pour le retenir. Il y a aussi le même genre de truc ici. Par contre, j'ai pas encore mis le gravier dessous. Voilà, pour faire vraiment... Genre, le gravier a coulé. Voilà. Et ça donne un petit côté vivant au chemin, en fait.
pour moi. Après, si vous n'aimez pas, vous avez le droit de ne pas aimer. Et sinon, de ce côté-là, il y a... C'est un autre truc tout bête que j'ai fait, c'est... J'ai mis l'escalier comme ça. Alors, oui, si on regarde comme ça, on a un drôle de truc bizarre. Mais si on le regarde de ce côté-là, on voit un petit peu de relief. On sait pas trop ce que c'est ni pourquoi, mais ça donne un petit effet. Donc, moi, j'aime bien. Et je continuerai à faire comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai mis d'autres blocs? Je crois même pas, en fait. Ouais, non, là, c'est tout du gravier et de la... Et de la dirt, machin. Après, pour faire des chemins, chacun a sa technique, hein. Il y a vraiment... Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Oui, une bonne ou mauvaise situation. Non, je ne suis pas autiste. Je ne vais pas vous faire un monologue là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... bonne ou mauvaise chose à faire. La seule chose qu'il ne faut pas faire pour moi, à mon avis, avec un chemin, c'est un chemin qui fait tellement de détours que vous n'avez pas envie de le prendre. Je fais... Alors, du coup, bah, j'avance un petit peu là, mais je crois que c'est important que je vous illustre l'exemple. Alors, du coup, on va aller voir par là. C'est un petit truc qu'on a fait il y a quelques temps avec Gaël de Sailly et Ataron, je crois. J'ai un petit blanc. Bref, si on prend ce chemin qui est ici, donc avant c'était tout de la cobblestone. Alors déjà, moi je trouvais ça pas très joli parce que déjà ça n'est pas d'un côté, mais pas de l'autre. Puis il y a le vide. Enfin, voilà. Donc ça a été un petit peu pimpé. Mais après là, ce qui se passait, c'est que le chemin continuait, 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 continuait. Et genre, ici, ça faisait un quart de tour et ça descendait tout droit comme ça. Et moi, chaque fois que je passais, je me disais, mais c'est pas possible. J'ai pas envie de passer sur ce chemin, j'ai envie de couper à travers. Alors du coup, c'est ce qui a été fait, c'est qu'on a fait ce petit chemin-là qui descend de Traviole. Et puis ça donne plus de... C'est plus sympa à prendre. Après, il est pas parfait, hein. Visuellement, là, il y a des trucs très bizarres. Donc c'est pas, j'ai envie de dire c'est pas tout à fait fini. Ça mériterait encore un petit peu de boulot, mais c'est pas, j'estime que c'est pas une priorité. Peut-être que je ferai une fois un live là-dessus, puisque quelqu'un m'a demandé là pas longtemps si je referai un live. Donc la réponse est oui, mais je ne sais pas quand. Je ne sais toujours pas parce que il me faut avoir envie, il me faut avoir le temps et il faut que ce soit un moment où vous êtes disponible aussi. Je vais pas faire un live typiquement. J'ai congé le vendredi par rapport à mes cours, mais je ne vais pas vous faire un live un vendredi de 10h à 14h par exemple, parce que je sais très bien qu'il n'y aurait personne pour le voir. Donc c'est aussi une chose à prendre en compte, et je préfère du coup le faire à un moment où c'est... Bah où c'est plus sympa quoi. Bref, je blablate, je blablate, je vois qu'on est déjà à 22 minutes à peu près d'épisode. Donc on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à venir voir aussi en jeu hein, sur MFF. L'usine à bois est très facile à trouver puisqu'il suffit de passer la. Enfin, quand vous sortez de la tour là, vous prenez à droite puis à droite, vous arrivez sur le chemin sur lequel on est. Et après, ben, hop là, on passe par-dessus la vache. Yeah! Il y en a qui font une saute de vache, d'autres sautent dedans. Et voilà, et on arrive là et on se retrouve au niveau du pont hein, que vous voyez juste là-bas. Et puis, ben, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Mine Test for Fun, Super Tox Kart et tout ça, tout ça. En parlant de Super Tox Kart, d'ailleurs, j'ai une vidéo qui devrait arriver bientôt. Je sais pas si elle sera sur ma chaîne ou celle de Super Tox Kart, mais en tous les cas, elle sera postée sur ma chaîne avec tout ce qui concerne Japan Impact. Voilà! Allez, à bientôt tout le monde! Ciao!